Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo et c'est encore un haul Shein. Cette fois-ci il y a beaucoup moins d'articles, donc ça va aller assez vite je pense. J'espère, si je commence pas à aller dans d'autres sujets comme d'habitude. Du coup on va commencer tout de suite. On va commencer donc par les sacs. C'est la première fois que je commande des sacs, j'en ai commandé deux. J'en ai pris un noir comme ça. Par contre il fait assez matière plastique je trouve, je sais pas si on va bien voir. Et il a un bandoulière comme ça et il y a une fermeture. C'est ça que je voulais, c'était un tout petit sac en fait comme ça avec une fermeture. Et le deuxième qui est comme ceci. Il est en... je sais plus comment il s'appelle ce motif-ci. Mais il est trop joli. Pareil, il y a une petite fermeture qui est là et il est aussi en bandoulière. Et vous pouvez aussi la retirer, hein, la bandoulière sur le... aussi sur l'autre sac. Ensuite, ça c'était le pourquoi que je commandais. Regardez, c'est une casquette, elle est tout avec des sequins. Elle est éblouie je pense, elle est trop jolie. Franchement je suis trop fan, elle est super sympa. Ensuite j'ai commandé quoi? Ah j'ai commandé ça. Je sais pas si... non je crois que je vous en avais jamais parlé. J'avais acheté un miroir mais c'était il y a déjà quelques années sur AliExpress. Et en fait je l'avais commandé en noir sauf que je l'ai reçu en rose. Et du coup j'étais trop dégoûtée, en fait je l'avais repeint. Parce qu'à chaque fois que je le commande, enfin que je voulais en fait commander en noir, ça me le mettait en rose, je sais pas pourquoi. Et donc du coup bah, j'en ai racheté un. Enfin, on va racheter un. Par contre, vous allez être vachement ébloui, j'essaie de cacher. Et du coup, j'en ai racheté un peu dans les tons beige, comme ça. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il est tout. En fait, le pied, il est un peu tout moulé. C'est du plastique et tout. Ça fait tout des moulures, c'est trop beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je vais vider ça. Ensuite, j'ai commandé un petit nœud comme ça pour mettre dans les cheveux. C'est avec une petite barrette. Il est un peu couleur beige rosé, je trouve. Il est super joli. Et vous avez vu en ce moment mes hauls, je les filme tous dehors, je vois pourquoi, j'aime bien me mettre dehors. Après qu'est-ce que j'ai? J'ai, ah oui j'ai ça, c'est un body. Ah par contre je sais pas si ça va bien ressortir et tout à la caméra. En fait il est hyper échancré en fait au niveau du décolleté, il est trop beau. Franchement il est super sympa et je l'ai pris en taille S, j'ai pris ma taille habituelle je crois. Ensuite j'ai pris un petit crop top comme ça. Alors, pareil, le même motif que le sac que je vous ai montré juste avant. Il est trop beau. Je vous montrerai dans tous les cas tous les vêtements portés hein, comme d'hab. Et lui je l'ai pris en quelle taille? À chaque fois par contre je vous mets les tailles. Bah je ne sais pas. Ah c'est écrit là. Je le prends en taille M celui-ci. Il est super sympa. Après, ah oui j'ai pris ça. C'est un espèce de petit haut corsage et tout en dentelle. Je vais me décaler. Ça passe pas ton sur ton avec mon pull et il est trop beau, franchement je suis trop contente de l'avoir commandé, il est super joli. Pareil je vous mettrai aussi des petits close-up, je sais pas trop. Et lui je l'ai pris en, lui, je l'ai pris en S. Après, ah oui après j'ai aussi pris un autre ensemble du coup de lingerie. Donc, du coup le haut il est comme ça, il est trop beau, il y a des chaînes dessus, ça fait trop joli. Et franchement la qualité elle est trop belle, c'est des petites roses, il est trop beau, je suis trop contente. Ça je crois que... ouais, ça je l'ai pris en S et donc du coup le bas il est comme ça. Voilà, et là pareil vous avez la petite chaîne au dessus. Donc, franchement ils sont super jolis leurs ensembles et tout sur Shein. Après, ah oui j'ai pris ce body-ci. Genre il y a tout des... du tulle là, je sais pas, enfin oui si c'est du tulle, je sais pas comment ça s'appelle. Ça rend trop bien. Oui il est comme ça, je l'ai pris aussi en taille S lui et il est dos nu. Ça va être trop beau ça pour cet été. Comme d'hab j'ai encore pris que des vêtements noirs quasiment. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo haul Shein aussi, j'avais commandé un maillot de bain bleu pétant en fait. Et du coup bah, je l'ai recommandé mais en noir. C'est exactement le même. Pareil j'ai pris la même taille en S. Et en noir je le trouve trop joli. Vous savez c'est avec un espèce de, pareil, de froufrou là ou je sais pas quoi là, qui passe comme ça et c'est trop beau. Donc du coup je suis vraiment trop contente d'avoir commandé comme ça en noir. Ensuite j'ai pris un ensemble de, enfin ouais un ensemble de maillots de bain, on va dire ça comme ça. Du coup là vous avez le maillot de bain une pièce, il est tout simple, il est noir comme d'hab. J'ai pris aussi, j'ai pris quelle taille, aussi du S. Voilà le dos il est comme ceci. Franchement la qualité des maillots de bain elle est top. Et ensuite avec vous avez en fait un espèce de long tutu comme ça, si on peut dire ça comme ça, une longue jupe
Et je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Et je crois qu'il y avait différentes couleurs, il me semble, si je me trompe pas. Et ensuite, donc dernier article, c'est une robe. Pour une fois, puisque j'achète une robe, on va dire beige taupe, je sais pas trop quelle couleur c'est. Elle est trop belle. En fait, c'est une petite robe. Et en fait, ça, c'est le haut. C'est une espèce de petit bustier et tout en... comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, vous l'attachez comme ça, derrière. Et ensuite, vous le rattachez en fait au niveau du dos. Et ça vous fait tout un dodu. Et du coup, c'est trop joli. Mais franchement, je suis trop trop fan. Pour une fois que j'achète autre que du noir, on va dire que je fais des pros. Donc voilà, donc pour ce petit haul Shein, franchement, c'est une petite commande, mais c'est très très bien. Donc du coup, bah écoutez, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets mon TikTok et mon Instagram en barre d'infos comme je fais d'habitude. Et sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.